20 juillet 2022, Isabelle Adjani retrouvera Gérard Depardieu au Festival de Lacoste. Si vous vous demandez où les stars partent en été, il suffit de se pencher sur l'affiche du Festival de Lacoste, fondé par Pierre Cardin et qui se déroule à Carrières, dans le Luberon, dans le château du Marquis de Sade acquis par le couturier. Dès le 24 juillet, les amoureux de musique et de cinéma pourront assister à la deuxième édition du prix du court-métrage musical ainsi qu'à des projections de films cultes. En août, l'événement se prolonge avec Gérard Depardieu qui y chantera Barbara le 6, puis le lendemain avec André Dussolier pour une lecture de texte. Quant à Isabelle Adjani, elle clôturera ce festival le 13 août avec un monologue hommage à Marilyn Monroe, mêlant un entretien de l'icône hollywoodienne et des confessions de la star française. Kylie Jenner emmène sa fille et ses filleuls au supermarché et la jeune femme très proche de Johnny Depp n'est pas celle que vous croyez depuis quelques jours. Plusieurs photos de Johnny Depp accompagnées d'une jeune femme circulent sur les réseaux sociaux. Et forcément, beaucoup pensent qu'il y a de la romance dans l'air, tant ils ont l'air complices sur les clichés. Eh bien, la réalité, comme souvent, est un peu différente. À en croire les sources de Online, il s'agit tout simplement de sa prof de français. L'acteur doit en effet incarner Louis XV dans le prochain film de Mai Wen, La Favorite, entièrement tourné en français. Comme c'est la première fois que l'ex de Vanessa Paradis joue dans la langue de Molière, il semble avoir voulu mettre toutes les chances de son côté.